Petite pensée pour toi, papa. Depuis l'île de Porquerolles. C'est tellement beau. Je sais même pas si tu y es déjà allé. Je m'en rappelle plus. Mais maintenant, je peux plus trop te poser la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu m'y as pas emmené. On peut même dire que tu m'as un peu empêché d'y aller. Eh oui, je devais venir l'année dernière, tout était prêt, j'avais pris mes billets de train. On devait même déjeuner ensemble, à midi à Paris, le temps de ma correspondance entre la gare du Nord et la gare de Lyon. Et puis le jour du départ, tu m'as appelé très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude. Tu t'étais réveillé avec une douleur intense au niveau de la nuque et t'avais dû appeler les urgences. Alors, au lieu de déjeuner avec toi, je me suis retrouvé avec un médecin qui m'a annoncé que ton cancer avait évolué en cancer des os et que tu venais d'avoir une fracture de la première vertèbre. C'était le début de ta dernière ligne droite. Quand je t'ai annoncé que j'avais annulé mon voyage, tu m'as un peu engueulé. Tu m'as dit, mais t'es complètement débile. Mais vas-y, pars, t'occupe pas de moi. Je suis content d'être resté, papa. Et tu vois, il a suffi d'attendre un an. Et l'île de Porquerolles est toujours là. Et j'aurais bien aimé la voir avec toi. Ça t'aurait plu. Alors je t'envoie ces images en me disant peut-être que elles te parviendront. Toi qui as rejoint l'éternité, comme dit Rimbaud, l'éternité, c'est la mer aller avec le soleil. Je t'embrasse fort, papa.